Putain, j'ai pas fait le café! Café est coulé. Putain, je suis dans un état. Mais quel enfer. Oh punaise, mais j'ai rien de prêt, mais quel rôle. C'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ensuite. Mais ce. Ça c'est bon. Là on est bien. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça, c'est fait. On a le café. On a tout ce qu'il faut. Rien de prêt, on t'entend de loin. Bah oui, mais en même temps, au secours. En même temps, au secours. Que je vous raconte ce qui se passe. Alors, par contre, si vous commencez... Attendez. Il est où? J'en ai un. Attendez, il est où? Plan B, parce que là, ça ne va plus. Oh, attendez. Est-ce que je tente le plan fou? Est-ce que je tente un autre délire? Attendez, je regarde. Parce que ça, je crois que vous avez jamais vu. C'est peut-être une première en direct live de Game & Watch. Peut-être. On teste un truc. On teste. Absolument. Ah, c'est absolument immonde. Oh, c'est affreux. Oh, ça faisait si longtemps que je l'avais pas mis. Oh merde. Bon, déjà, pour vous dire, les cheveux sont dans un état pitoyable. Donc du coup, on devait faire le plan bonnet. Le plan bonnet n'a pas marché. Du coup, on part sur un plan autre. Si le test n'est pas une couette dans ta chevelure, ça vaut pas le coup d'être vécu.
Ça va, Sérénès. Eh, déjà, j'ai acheté des chouchous. Calmez-vous. C'est pas un plan bonnet. Non, c'est mieux. Non, excusez-moi. Voilà, hop. Excusez-moi, voici le chapeau qui est enfin arrivé. Et ça, ça me fait plaisir. Comment allez-vous? Et coucou, Sugar! Courgette, comment vas-tu? Vous allez bien? Est-ce que vous passez un excellent, une excellente journée? Il fait trop chaud, j'en peux plus. Mais les cheveux sont dans un état pitoyable. Voilà, c'est le chapeau. Alors, ce chapeau rose a une histoire. C'est un chapeau que ma tante m'avait offert il y a très longtemps. Parce qu'il fallait des détails roses à une soirée et elle m'a trouvé ça. Au secours. Donc, j'ai pas une tête à chapeau. Ça me va pas du tout. Mais le haut de mon crâne est d'un gras. Je serais très ingrat de vous montrer ce gras. Donc, du coup, ça part sur un chapeau. Il est trop petit pour ta tête, oui. C'est ça qui est drôle. Ça te va pas parce que trop petit, je sais, mais est-ce que c'est pas un peu drôle? Non, on va rester là-dessus, vous en faites pas, tout va bien se passer, le monde n'est pas contre vous. Et en plus, on n'est même pas sur un plan casque, on est sur un plan écouteur, vraiment, c'est n'importe quoi. Ce soir, on est dans du n'importe quoi sur 20, je vais baisser un peu la musique. Il faut savoir que mes parents débarquent à 22h15 ou 22h30. Ça veut dire que le live ne peut pas durer jusqu'à minuit. Donc j'ai failli demander une annulation. Enfin, j'ai demandé une annulation de mon live. Les patrons m'ont dit, mec, non. Déjà, on n'annule pas ton live. Et du coup, bah, comme j'ai pas pu annuler mon live, j'ai dit, bah écoutez, est-ce que je peux au moins peut-être le réduire? Un petit peu. Ils m'ont dit, commence maintenant. D'accord. Je commence maintenant. Désolé. Non, mais il n'y a pas à être désolé. Je suis en train de vous diaboliser pour rien. Non, mais en plus, on va faire des trucs sympas. On va faire des trucs sympas parce que cette semaine, c'est une grosse semaine. Mais là, en tout cas, on va commencer par du... comment ça s'appelle? Du Legends Arceus. Ça va être sympa, on va faire une nouvelle zone. C'est vraiment trop petit. Il est vraiment trop petit. Hein. Mais en tout cas, regardez, j'ai les 4 badges. J'ai 4 badges de Harry Potter qui sont stylisés. J'ai plus le nom de l'artiste. Et j'avais quoi d'autre? Bon, du coup, vous voyez les cheveux, hein, excusez-moi. Mais du coup, vous comprenez pourquoi le chapeau. Et du coup, j'avais plein d'autres badges. Notamment un badge du Lennon ici. Ça, c'est un badge de mon école. Non, il est où? Il est où? C'est celui-là. Ça, c'est un badge de mon école. Me demandez pas pourquoi. Musée au mix, c'est trop bien. Faites-le. Faites-le, c'est bien. Cette année, ça va être plein. Mais faites-le, c'est trop bien. Et ça, c'était un petit badge que j'avais eu une convention aussi avec un petit salamèche. J'ai le t-shirt qui va avec. Et un petit badge de Osezoé sur la boutique Patatras, qui est vachement sympa. Patatras qui avait fait quoi d'autre? Et la salopette arc-en-ciel. Hop. Pourquoi c'était? Ah, c'est pour la salopette. Manque le nez rouge et la salopette. Non. Et du coup, elle avait fait quoi d'autre? Elle avait fait d'autres choses. Mais ça doit être ailleurs. Ça doit être ailleurs sur les meubles. Bon, bref, sur ce. Où est le jeu? Ici. Dites-moi si le son est bon. Moi, je vais boire mon café. J'ai coupé la cam. Donc là on est bon, là on est bon, là on est bon, là on est bon. Ok. Là on est tout bon, merci de ta compréhension, t'es une pépite. Non. Nous des mauvais patrons, non mais le mec il doit prendre l'embauche, t'as tout le monde qui est fatigué, qui en a marre, qui a envie de partir, et fait bonjour. J'ai le droit de pas venir. Genre, vous savez le truc qu'on a prévu la semaine dernière? J'ai le droit de pas le faire. Et les mecs, dans le plus grand des calmes, ils seraient du genre à dire « Ouais, ouais, vas-y, viens pas. T'inquiète, on n'a pas planifié ça depuis une semaine. On n'a pas tout prévu au millimètre. » Quel enfer. Ah, calmez-vous les patrons, buvez du café, ça ira mieux. Hop. Donc là, on est bon. Donc pour ceux qui connaissent pas, coucou Sugar, du coup, coucou. Comment vas-tu? Toi qui ne connais pas Game & Watch, que peux-tu me dire sur Game & Watch? Voilà, j'attends que tu me répondes pour me dire exactement ce que tu connais de Game & Watch. Hop. Donc là, on est pas mal. Donc là, objectif de la journée, il est très simple. On va faire la nouvelle zone. Qui dit nouvelle zone dit nouvelle quête. Donc il faut que je la suive. Et je sais pas où je dois aller pour cette quête-là. Ah bah il faut directement que j'y aille en fait. J'avais même pas tilté que j'étais sur la chaîne Game & Watch. Bah bravo.
On n'est pas chez moi. Putain, j'ai pas host. Je suis vraiment un connard, hein. J'ai rien prévu. Hein. Attendez, bougez pas. Gestion de stream. Chat. Up. Slash. Host. Game. And watch. Voilà. C'est bon. Comment t'es venu? Bah j'ai fait la... Charouine. Alors, attendez. Charouina, quand on fait de la pub pour une chaîne, on met le lien de la chaîne. Je serais un très mauvais streamer si, en faisant venir les gens sur Game & Watch, je mettais un lien vers ma chaîne. Ça ferait perdre des vues. Bref, on reprend. On est bon. Quand tu me parles, on comprend. Viens de Discord, c'est ça. Merci pour le follow, Sugar. Les gens, je vais gratter un peu. Il nous manque que la moyenne pour l'affiliation et les annonces banger qui vont avec. C'est vrai. Donc n'hésitez pas à rester pour au moins leur quai, s'il vous plaît. Au moins pour apporter les moyennes de viewers. Parce que moi, je m'en contrefiche. Je m'amuse quand même. Mais je sais que les patrons en ont besoin. Et dites-moi si la musique est trop forte. Hein. Je vais baisser un poil, quand même. Alors, surtout une musique poète poète comme ça de Banjo-Kazooie. J'ai pas rempli. Bah écoute, remplis bien la bouteille d'eau. Donc ok, donc en plus j'ai des infos, super. Alors, El Gato, pourquoi on n'entend pas? Voilà. Bienvenue au contrefort couronné. Donc du coup, nouvelle zone. Oh putain, on voit, regardez, on voit des trucs incroyables. Qui dit montagne dit Pokémon de type roche et sol, et ils sont nombreux dans les environs. Ça tombe bien, j'ai un typhlosion. Comme ça, je suis mort. Faut prendre de quoi s'hydrater. Moi, j'ai un café. Et là-bas, juste en dessous de la faille spatio-temporelle, c'est le Mont Couronné. Je pense que la force magnétique qui se répand dans cette zone a un impact sur les Pokémon. Il me tarde d'aller l'explorer. Ça marche ? Gravissez la montagne avec Chamal. Ah oui, mais c'est qui Chamal ? Grotte des égarés, grotte des égarés. Ok. Je dois faire quoi? Secours. Y'a même pas un seul Pokémon? Y'a même pas un seul Pokémon? Oh, cette musique poète poète. Oh la musique! Est-ce que la musique elle est pas incroyable? Ah attendez, je vais faire une bonne équipe. Je vais aller prendre mon équipe super forte d'exploration. Bonjour. Non, je veux pas me reposer. Voir mes Pokémon. Quel Pokémon on veut? Alors. Aperçu. Touk touk touk. Touk 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 touk. Ici. J'ai mon Luxray. Oh la musique. Oh la musique de porn des années 70. Déjà que de base, elle est pas ouf. Alors là, toutes les musiques de ce jeu sont bonnes. C'est pas les musiques du jeu. C'est une playlist Spotify que je mets par-dessus parce que les musiques du jeu sont de la merde. Donc ça, on prend. Qui c'est qu'on peut prendre en plus? Qu'est-ce qu'on peut prendre en plus? Bah, il me faudrait peut-être un type combat et un type psy. Je peux prendre le Simiabras, mais ça fait deux types feu. Type psy, je peux prendre un Alakazam. Togekiss, ils sont pas assez forts. Hein. Non, niveau 45. Je parlais de Banjo-Kazooie. Ah oui, c'était ça, c'était Banjo-Kazooie, ouais. Ouais, c'était la musique de Banjo-Kazooie. Effectivement. Oh, j'ai pas un... C'est des douteux. Je vais aller regarder ça après. Je vais en profiter, je vais regarder ça. Raichu, Simiabras, man. Ok, là y a rien qui m'intéresse. Là y a rien qui m'intéresse. Est-ce que je prendrais pas un ectoplasma? J'ai déjà un type spectre. Là on est bon. Il y a plein de zarbis. J'ai chopé plein de zarbis.
C'était trop bien. Torterra. Voilà, c'était celui-là qu'il me fallait. Donc, je vais me choper un Torterra. Et qu'est-ce que je pourrais compléter avec tout ça? J'ai chopé un Manzai. Ah oui, alors attendez. Que je vous raconte parce que j'ai farm de mon côté. J'ai vu qu'il me manquait Manzai dans le Pokédex. Et en regardant dans les Solus, il disait Manzai, il est à un seul endroit dans le jeu. Et il est rare. C'est-à-dire que pour le choper, pour en trouver un, c'est un peu chiant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans la zone, on le trouve pas, on bute les Simiabras, on sort de la zone, on dort une journée, on revient et peut-être il est là. Du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, let's go, je vais farmer. Je suis arrivé. C'était un Manzai Baron. Donc non seulement la stat de chance est arrivée comme quoi j'avais un Manzai qui était présent, mais c'était un baron, donc il est niveau 42. J'ai vraiment le cul bordé de nouilles, c'est vraiment n'importe quoi. Pangoléon, c'est pas con. Je vais prendre un Pangoléon et puis un Torterra. C'est pas mal en vrai. On va faire ça. Du coup, il est où mon Torterra? Ah non, mais j'ai une chance. Allez, il est là mon Torterra. Donc du coup je changerai le Porygon par un Torterra si je n'ai pas le CD douteux. Et j'ai bien un CD douteux. Et ça c'est cool. Déplacer dans la sacoche un seul. Comme ça je peux faire ça. Non, je peux faire ça. Non, je peux faire ça. 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 Et ça. Ah non, mais j'ai eu une chance. Vous imaginez même pas. Hop, excusez-moi, j'écris un message, du coup c'est un peu la galère. Hop, je finis ça. Voilà. Non, parce que du coup, les parents sont partis. Un Porygon Z, ça c'est cool. Je sais pas si j'en avais déjà un, mais au moins c'est fait. Ah bah non, j'en avais pas. Donc j'ai bien fait. Tac, 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 tac. Voir mes Pokémon. Voilà. Allez, go. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on trace? Bah, on a qu'une heure, hein. Il y a des Luxray là-bas. Mais les Luxray, je les ai déjà en parfait, donc on s'en fout. Mais quoi? Mais ramasse-moi ça! Voilà, c'est bon. On va essayer de découvrir un peu la carte, du coup. Il y a des Yanma, il y a un Yanmega, ok. Là, il y a des Luxray, ok. Pour le moment, rien de nouveau. Des Luxio, ok. Oh, petite Lupiote. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir là-dedans? C'est un Gravalanche. Jusque-là, tout va bien. Ah, il faut buter le Luxio avant. J'ai quoi pour battre le Luxio? Méta laser. Le lanceur subit également des dégâts. Ouais, mais non, mais je veux pas moi ça. Baisse aussi le lanceur, mais avance sa position dans l'ordre d'action. Mais c'est stupide. Un puissant jet d'eau. Putain, mais il a que des capacités qui le tuent lui-même. Va falloir que je change ça, hein, mon gars. Hein. Aïe. On recommence. Bah, je change ça parce que ça va pas le faire. Si c'est que des capacités pour qu'il soit. Pour qu'il soit blessé, moi j'en veux pas de ce Pokémon.
Voilà. Alors, du coup, première chose. Gestion des capacités. Luminocanon, bah c'est déjà, beaucoup mieux. Ensuite, aquabrèche. Mais c'est carrément mieux. Aérobic, c'est trop bien. Et puis atterrissage, c'est assez cool. Voilà, c'est quand même vachement mieux. Pourquoi on avait des trucs dégueulasses? Et en termes de PP, en plus, là je suis tranquille. Hein. Hop là. Et on est bon. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée. Je viens de voir que sur mon Discord, on venait de me critiquer. Merci. Ah, oh, puis Sugar, je vois que ton dernier follow là sur la chaîne, il est un peu caché. Suivez ça. Oula, CTRL Z. J'essaie de te décaler un poil. Il paraît que les hosts aident, alors voici. Bah merci pour ton host. Effectivement, les hosts, ça peut aider si jamais t'as des gens qui viennent sur ta chaîne ou des choses comme ça. Et effectivement, quand une chaîne a beaucoup de hosts, apparemment, en shadow, ça aide un peu. Alors, je sais pas quelle est l'efficacité du truc. Mais ça a des impacts, de ce que j'ai cru comprendre. Ok. En vrai, il n'y a pas grand-chose de nouveau ici. Il n'y a aucun Pokémon nouveau. Y a des Yanma, des Yanmega, des choses comme ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire, maintenant que ça c'est fait, on va aller là. Voilà. Oh. Petite loupiote. Voilà. Avec la petite musique douce en plus. Avouez, cette musique, elle est trop bien. Très chill comme ambiance. Là. C'est ce qu'on m'a dit, depuis j'en envoie un peu partout, même si j'ai personne sur ma chaîne, sait-on jamais. Bah après, si ça marche juste en termes de stats, c'est propre. Hein. Moi déjà, si je pouvais déjà être viewer. En fait, moi tu vois, je dirais, il faudrait que je sois viewer sur ma chaîne, mais en fait j'ai tellement... Là, vous, si vous voulez, j'ai passé 6 mois à être très mal dans ma peau et à pas pouvoir stream. Et là, je suis l'homme le plus heureux du monde en ce moment. Et j'ai pas le temps de stream. Parce que je fais 12 milliards de choses en même temps. Ça n'a aucun putain de sens. Du coup, ça c'est pour monter. Est-ce que je peux aller là-bas? Ou c'est une autre cascade? Voilà. Hop. Zoom. Là-bas. Donc c'était une autre cascade. Ok. Donc on verra pas ça tout de suite. Parce que je peux pas monter les cascades. Là ici on a quoi? Il y a un nouvel objet ici. On connaît pas ça. Ah si, on connaît. Oui, ta bagage, oui c'est ça. Ok. Et bah du coup on va continuer. On va aller au large. Et du coup là il faut continuer tout droit. Let's go. Est-ce qu'il y aura des Pokémon dans l'eau là? Pas l'impression hein. Un Psychoquack. Psychoquack que je dois avoir en parfait aussi hein. Ah mais c'est la Rainbow Road. Ah mais c'est la Rainbow Road super classe dans Mario Kart. Ah, c'est ça, c'est Mario Kart 64 ouais. Elle est super classe cette Rainbow Road. Et en plus en Switch ils l'ont bien réadapté, j'aime bien. Allez monte, allez le bouquetin. Ouais parfait. Ba-da-da.
Mario 64, est-ce que je l'ai? Oh putain, le. Ouais, je l'ai. Ne me souvenez plus. Putain, faut vraiment que je m'achète un adaptateur qu'on se fasse des jeux rétro. Hein. Vraiment, hein. Bah, bonjour! Merci. Je. Merci. Et du coup. Bah, j'imagine que là, le bouquetin il peut pas monter là. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Ouais, c'est ça. Et au niveau de l'eau. Ah, je suis bloqué. Ah oui. D'accord. Je peux pas aller plus loin. Non, non. Ok. D'accord. Donc le, tout le reste doit se faire à pied. Ok, ça marche. On va faire ça tranquillement. Allez. Ça bougeait ça, non? Mais pourquoi il est enfoncé dans le... D'accord. Coucou? L'électrode qu'on appelle le roi des grottes est légèrement différente de l'électrode dont je me rappelle dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Ils ont tout de même un point commun, ils envoient tous deux des éclairs. Alors ne vous approchez pas trop près et vous risquez de vous faire électrocuter très fort. Je vous conseille par ailleurs d'attraper un Pokémon immunisé contre la foudre. Ouais. Je sais pas qui sont ces usagers, mais en effet, la vie n'est facile pour personne. Ah oui, Shamal, le gardien du clan Perle, et la demi-portion du groupe Galaxy. Ça, c'est moi, ça. Tu te mets le doigt dans l'œil. Mais dans mon immense bonté, j'ai décidé de t'offrir une chance de prouver ta valeur. Il te suffit pour ça de venir à bout de plus important des obstacles, à savoir moi. Non merci. Tu dois me battre, non? Pas envie. Non, je le sens pas là. Je... Encore les soucis sur le ventre là. La rage des monarques n'a rien d'autre qu'une grande... Ok. Ouais. 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 Tu veux plutôt mon conseil, rentre sagement chez toi. Allez, bon vent. Non. Exactement. Mais c'est à vous de choisir, Sébastien. Que voulez-vous faire? Bah, j'y vais, je continue. Au secours. Le chemin sera semé d'embûches, mais ma priorité, c'est la sécurité des voyageurs. Pour rencontrer Farfurex. Il va falloir traverser la grotte des égarés. Ouais, il est épuisé, mais en même temps, il neige, là. Il en a vu des choses. J'en rêve encore. Même si je m'améliore. Même cassé ivre mort, j'en rêve encore. Pardon. Allez. Allez, on avance. Oh bordel, l'enfance qui remonte. Allez. En plus, on a une jolie musique. Attends, je suis censé éclairer la grotte en disparu. Ce reste l'œuvre de Camille. Je connais la route. Qu'importe les ténèbres ou la météo, nous avancerons et nous arriverons sans retard. Ok, je te suis. Je sais que c'était un Pokémon utilisant le feu. S'il était à mes côtés maintenant, il aurait pu illuminer le chemin pour nous. Un petit Simiabras ?
Faisons un arrêt ici. J'ai repéré un Pokémon Baron sur notre route. Il s'agit d'un Ostenfer. En temps normal, ça ne devrait pas freiner le train de notre progression. Il me semble préférable de changer d'itinéraire. La sécurité passe avant tout. Mais non. Mais non. Mais le Baron. Mais oui, mais je veux le tataner moi aussi. C'est déjà le terminus ? Bon, c'est naze. Mais non. Mais moi, je veux me battre contre le Nostofer. Bah oui, là, c'est toutes les torches, forcément. Ça marche. Et donc là, on refait tout le chemin. Ouais, c'est ça. J'ai bien procédé aux vérifications de routine. Attention au départ. Ça marche. Caravaggio, il a dû se faire vautrer par le Baron. C'est ça. Oh, il s'est barré. Il est pas là, le Baron. Oh bah non, mais il est où, le Baron? Bah non. Mais le Baron. Oh, ça saoule. Mais... Ah voilà, c'est bon. Merci, Luxio. Eh hé. Sou. Eh hé. Il a pris peur, non mais c'est ça. Il s'est dit, oh merde. Le vieux s'est barré, elle est libre. Oh no. Courage, fuyons. Mais il n'y a plus de Baron, il n'y a plus rien. Oh non. Voilà, vraiment, c'est pas drôle. Hein. Est-ce que je peux... Oh, je peux avoir le bouquetin. Oh, let's go. Donc ça, tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. On va aller par ici. Donc là-bas, on a un Osferapti. Là, il y a de l'eau. Là, il y a un Remoraid. Là, il y a un Barbicha. Let's go. Aïe. Oh, viens ici. Oh, viens ici. Aïe. Crunch. Aïe. Crunch. C'est un peu vide, hein, son musique. Tranquille. Zoom. On va tout de suite soigner le petit... le petit Luxray. 200 PV, on va faire ça. Ok, c'est bon. Ok. Il y a encore des choses là. J'ai vu, il y avait une petite loupiote. Ok, encore 17 flammes, tout va bien. Et on a quoi ici? Ah bah on arrive là. Ok. Ouais, c'est la même zone, c'est juste qu'on a fait le tour. Ok, mais on est déjà au bout. Oh, c'est quoi ce labyrinthe nul? Comment ça je critique? Et Gougou Mur. Mais comment il va? Il y a un Grignot. Et je sais pas s'il est Grignot, il faut pas qu'il me voit ou pas. Tu parles d'un labyrinthe, tu m'étonnes. Un peu vieux mais ça va. Non mais le mec. Bon anniversaire Mur. Comment il va? Est-ce que tu as passé une bonne journée au moins? Bon, on a tout ce qu'il faut. Alors attendez.
Si t'es vieux, qu'est-ce qu'on est exactement? Ne faites pas de bruit dans le chat, vous allez l'effrayer. Oh, raté. Et budget toute la journée à faire du TFT. Let's go. Hop. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah bah, first try. Bah, let's go. Et hop, un Grignot. À la balin. Je sais pas, Grignot, comment ça se passe en termes de... Attraper 25, vaincu, spécimen que vous avez fait évoluer, différentes apparences constatées. Ok. Bon, y a des trucs quoi. Par contre, s'il faut les choper, s'il faut en choper 25 et qu'ils apparaissent un par un dans cette grotte, ça va être vénère. Oh, ça va être vénère. Alors, là on est bon. Ok, on est sorti. C'est le professeur Lavande qui me l'a appris. En ce qui me concerne, je me suis réveillé un beau jour dans cette région qui ne me disait rien. La seule chose dont je me souvenais, c'était de mon nom. Et alors que j'étais comme pétrifié sur place sans savoir que faire, le clan Perle m'a secouru. Grâce à mon don pour apprivoiser les Pokémon, j'ai pu devenir gardien. Ah mais lui aussi, le mec, il vient de nulle part. C'est cool ça. Je parle, j'oublie. Alors, dépêchons-nous, nous avons affaire. Mais c'est qui ce mec, du coup? Chamal. Est-ce qu'il va nous faire rêver? Putain, la blague est ratée. Tant pis. Pas de blague. Pas de blague, j'avais qu'à mieux réussir. Aïe. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, il y a une nouvelle mission, mais le but c'est d'aller par là. Ah, mais c'est le bivouac ici. Ça, c'est la mission pour le bivouac, ça, je le sens. Comment je vais installer ce bivouac? Eh, je connais pas le jeu, hein. Je fais partie du groupe Galaxy, je t'attendais. Je suis venu ici car j'ai entendu dire qu'un bivouac allait être installé dans les environs. Oh mais il y a un Archéomir. Pourquoi j'aimerais te demander ton aide? Pourrais-tu essayer de comprendre ce que veut cet Archéomir? Oui. Bon, on va y aller. Qu'est-ce qu'il veut l'Archéomir? Coucou. Qu'est-ce que tu veux? Mimir. On dirait qu'il y a quelque chose d'autre là-bas. Bah c'est un autre Archéomir quoi. Non? Ouais c'est ça. Hop. Ouais c'est ça, c'est un autre Archéomir. Simplement. Ouais, ce pauvre Archéomir, il est gravement blessé. Quoi, il est rayé? Pardon. Je comprends mieux maintenant, il est donc venu chercher de l'aide. Ouais. Allez, vas-y. Au moins le bivouac est mis. Et un nouveau bivouac. Un. Donc là, il y a plein d'aquacouac, mais j'ai pas envie de les taper. Quoique, attendez. Aquacouac. Vaincu avec des capacités de type plante. Let's go. Oh, mais quel enfer!
Bon. J'ai que marteau bois. Faut vraiment que je le retravaille aussi celui-là. Allez, marteau bois encore. Bon. Voilà. Alors, on va se soigner, il y a le bivouac à côté. Ah, mais non! Il fallait d'abord que je change les capacités. On va recommencer. Feuillage, pas ouf. Lame-feuille, mieux. Damoclès, non. J'ai déjà éboulement, ok. Piétisol, ce sera mieux, non? Bah oui, c'est carrément mieux. Damoclès, pas ouf. Morsure, bon, ça permet d'avoir du coverage. Très bien. Ok. Et on re-soigne les pépés. Tout va bien. Au moins, j'ai le bivouac. Et ça, je vous avoue, c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, on va aller... Excusez-moi, je vais éternuer. C'est pas venu. On va aller par là. On va aller faire la quête principale. Donc là, je passe pas dans toutes les zones. J'entends plus le son du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, le gâteau, elle a planté? Le gâteau a planté. Alors, normalement ça devrait être remis. Est-ce que si je passe en mode studio, le jeu est revenu? Le jeu est revenu. Ok. Je sais pas pourquoi ça a planté. Ah non, le jeu est pas revenu. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est revenu. Ok, bon, c'était très étrange. C'était très étrange. Mais là, c'est revenu. C'est bon. Là, il y a plein d'Ursaring. C'est cool. Tiens, pour ceux qui ne savaient pas, mais j'ai aussi réussi à choper le Ursa King. Hein. Oh merde. Bon, d'abord. On va essayer de buter le Luxray. Ça va pas marcher. Forcément. Aïe. Crunch. Voilà. Maintenant, il va falloir tenter de choper le Ursaring. On va tenter de le choper parce que j'en ai pas beaucoup des Ursaring. Allez, ça chope. Arrête. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vu qu'il augmente sa défense, de l'attaquer? Quelle est ma plus forte? C'est lame d'air. Stabé. Les gens, ça tue pas. Voilà. Ça, c'était dommage. En même temps, c'est un type... Et la piétisole, donc ça peut faire mal. Hop. Ah, et là, t'es moitié de vie. Ça tue, ça. Enfin, ça capture, pardon. Allez! Ah, bah, c'est tout de suite mieux. Ok, donc là, on est bon. Toc, tac. Hop. Petit rappel.
Hop, là on est bon. C'est bon. Encore un autre Ursaring. On ramasse les items un peu partout. Oh. Oh. C'est beau par ici. Il y a un archéodong. Je pensais que j'arriverais à le choper. Discrètement. Allez, retourne-toi. Ça a raté. Tu m'as pas vu. C'est pas moi. Regarde, il me voit pas. C'est sûr. Il m'a pas vu. Mais non, mais... Mais arrête d'en lancer 12! Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il faut pour le pas le buter? Ou alors je le bute. Comme ça, je saurai tout de suite qu'est-ce qu'il faut pour le buter. Voilà. Est-ce que c'était des capacités de type feu ou pas? Non, c'est pas du type feu. Alors, Archéodong. C'est type spectre? Ok. Ça marche. J'aurais su. Alors, j'ai vu qu'il y avait des archéomires. On va essayer d'en choper. Hop. Alors peut-être. Ok, Edin. Et sans qu'il vous repère. Ok, donc ça c'est les plus chiants. C'est les Pokémon à choper sans qu'il te repère. Mais arrête, punaise! Bon, Archéomir. Vaincu par des capacités de type feu. Ok. Donc, Archéomir c'est feu, Archéodong c'est spectre. Je retire. Boum. Pourquoi j'ai mis en si puissant? Je perds 2 PP pour rien. C'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Bon, c'était un passage rapide là-dedans. Ça s'est bien passé, l'ancienne carrière, voilà. Oh, la musique! Oh bah non! Bon, attendez, je mettrai la musique pour après. N'avez pas honte. Pourtant, ranger ces torches, pourquoi les avez-vous remises à leur place? J'agis avec courtoisie, voilà comment vous me remerciez. Mais t'es stupide! Ah bon, tous les deux les gardiens, ne voyons pas les choses de la même manière. D'accord. Vous déraillez complètement. On va déjà réussir à battre mon partenaire. Ouais, je vais gagner. T'inquiète. Mouflair. Bah c'est nul. Allez, musique. Ce type faisait complètement shooté, tu m'étonnes. One shot. Wow, such an adventure. Let's go.
On recoupe la musique, je la remettrai après. Hop, voilà. Nous aurons notre revanche, mais cela peut attendre, il faut d'abord que je soigne mon partenaire. C'est une retraite stratégique. Quel enfer. Il se passe rien dans ce jeu quand t'es overpété. Ouais, t'inquiète pas. Allez, on relance la musique. Oh, un Papy Lord Baron. Des Scarino. Oh, il y en a des trucs par ici. C'est ce qui se passe quand tu farmes les zones à 100%. Je suis pas à 100%. Regarde un peu ce Pokédex. 83 sur 83. 73 sur 73. Et 92 sur 92. Bon. C'est pas 100%. Mais bon. Pas 100%. Il a trop farmé. On peut pas trop farmer quand le jeu te le permet. Wow, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a par ici? Il y a forcément un truc là-bas. Il y a même pas de baron ici. Nul. On va là-bas. On retourne au point de quête. Bah, il faut que j'aille où? Ah là-bas. Wouhou. Aïe. Padabadabadabam. C'est ici que les pierres utilisées pour construire le temps vont être extraites. Oui, oui, c'est bien. Ah, attends, on va couper la musique parce que là, c'est trop. Y'a pas mieux? En tout cas, nous pouvons profiter des pierres laissées ici pour nous cacher des Pokémon. Percupio! Qu'est-ce qu'il fout là? Pensez-vous que votre perte de mémoire peut-elle être due à la faille spatio-temporaire? Bon, ouais. J'ai le sentiment que ce n'est pas lié, mais je n'ai pas la moindre idée d'où je viens. Je ne sais même pas si j'ai une famille. J'aurais probablement plus de succès en interrogeant Sébastine. Let's go. J'espère que vous retrouverez la mémoire. Nous aussi. Te souviens-tu de ce qui s'est passé juste avant de tomber dans la faille? Je crois qu'on l'a eu au début, vaguement. Qu'est-ce que ce qui se trouve de l'autre côté de la faille est à l'origine de ces écrans éclairs. D'accord. Cette faille se serait déjà ouverte il y a fort longtemps. Elle aurait été nommée faille spatio-temporelle et ce nom aurait été transmis à travers les âges. Mais quel monde y a-t-il de l'autre côté de la faille? Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que c'est le royaume du Grand Sinnoh. Mais pourquoi la faille s'était refermée jadis et pour quelle raison a-t-elle décidé de se rouvrir? Ouais. Ouais. Faut que je ne suis qu'un passionné de ruines. Ça marche. Bah casse-toi, Percupio. Merci. Attends-nous, mais restons prudents. Bah, je dois aller où? Coucou, toi. Coucou, toi aussi. Venez. Venez, on va faire un prix de groupe. C'est bon, vous êtes tous là? Toi, t'es mort. Et non. Ok, Typhlosion, prix de somnolence.
Boum. Oui, bah oui, je somnole. Ok. Ok, je somnole, d'accord. Allez, d'un. Ça, c'est fait. Et de deux. On est bon. Ceci étant fait... Ici, j'ai plus rien à faire. Donc, il faut que je... Faut que j'aille jusque là-bas. Heureusement que j'ai le bivouac. Comme ça, on avance. Ouhou ! Attendez, non. Demi-tour. Repli stratégique. Nous avons la sacoche pleine. Zoom. Oula. Elle est trop loin. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Hop là. Hop, super. J'ai déposé tout ce qu'il fallait. Là, on est bon. Zou. Chamal. Oh. Ah bah oui, il faut monter, hein. Ouais, grimper, bah du coup, oui, il faut l'évolution de Farfuret. C'est ça. C'est comme si elle possédait une sorte de capacité secrète. Mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien de tel à Issui. Mais oui. Pourtant, j'ai quand même un vague souvenir de quelque chose que je ne peux nommer. Je me demande quel genre de personne j'étais avant d'arriver à Issui. Capacité secrète, toi, t'es vraiment un mec du futur aussi. Peut-être qu'en vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose. Ouais, vas-y, vas-y, let's go. Vas-y, on se fight. Match hopper. Oh, merde. Merde, contre Typhlosion. Ah, mais il a 3 Pokémon. Qu'est-ce que je fais? Je change pas. Niveau 41. Vas-y, on change pas. Voilà. Et d'un. Ensuite. Scorvol. Bah j'ai rien. Bah oui, lui il a ça. Bah oui, forcément. Bah let's go. Mais j'ai rien contre lui, ouais. Surtout s'il a un écran de fumée, ouais. Ok. Bah oui, forcément. Bah oui. Eh hey, mais l'écran de fumée, c'est un truc qui te permet d'esquiver tout à coup sûr dans ce jeu. C'est n'importe quoi. Voilà. On est bon. Scorvol, c'est fait. Le troisième, Maconior peut-être. Sac de nœuds. Voilà. Voilà, combat terminé. Bon, c'était impactant, hein, ce combat. Hein. Mille bravo. Merci. Incroyable. La gare de la victoire. Il est temps d'invoquer Farfurex. Ah oui, parce que dans ce jeu, couper la musique, ça coupe aussi la petite, le petit sifflement quand tu appelles les montures. Ça n'a aucun sens. Alors Farfurex, oh là là. Oh, ce design. C'est beau. Ouais, t'inquiète.
Si je veux bien le faire entendre, le son de la flûte. Non, tu vois, on l'entend pas. Quand tu coupes la musique du jeu, la flûte, tu l'entends pas. Alors qu'après, ça va marcher, hein, mais là, ça marche pas. C'est stupide. Ok. Super. Plaque toxicité, propre. D'accord. Gravissez les falaises avec l'aide de Farfurex et apaisez le roi en haut de la montagne. Je m'en retourne à rusticité, mais pensez bien à saluer Camille pour ses épreuves. Attention au départ. Alors, comment ça marche? Grimpez et descendez la falaise grâce à la monture Farfurex. Pour l'appeler, appuyez sur le bouton A lorsque vous êtes à proximité d'une falaise. Ok, ça marche. Normalement, si je fais ça d'ici, je peux déjà me balader dedans, ouais. Alors, si vous regardez bien, dans la boîte, il y a deux yeux. Bah, c'est Sébastien. On est représenté par deux yeux. Par contre, on peut pas courir. Oh, c'est bien dommage. Et puis on peut plus rien faire dedans. Bonjour. Se reposer. Je me repose, c'est pour les PP et pour les PV. Voilà. Allez go. On va aller monter la montagne. Donc le but c'est d'essayer d'aller là-bas. Apparemment. Voilà, on le voit là-bas. Hein. Alors ça sert à rien de mettre l'épingle. Et en fait, ça va être super pratique parce qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir farmer des zones. Genre, il y avait une zone que je pouvais pas farmer dans la... il y avait une zone que je pouvais pas farmer dans la zone d'avant. À cause de ça. Oh là là, mais le bouquetin maintenant qui est inutile. Oh, oh le bouquetin qui ne sert plus à rien. Ah merde, il m'a vu. Est-ce qu'il est... Ouais, ok, il est un peu fort. Si je fais aéropic, ça le tue pas, hein. Non, ça le tue pas. Midlife, c'est très bien. Ok. Ok, ça c'est bien. Petit score vol. Ça fait plaisir. Score plan. Score vol. Quelle honte. Ok. Est-ce qu'on tente d'abord de maroufler le jeu et d'aller là? Venez, on maroufle. Venez, on maroufle. Vas-y, on maroufle. Et... voilà. Oh, Gricknot. Donc lui, on s'en fout s'il me repère. C'est ça que j'ai compris. Ok, c'est bon. Et en plus, il faut des poids lourds. Donc là, déjà, il y en a un qui est chopé en poids lourd. C'est cool. Donc les Gricknot, on peut les trouver. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est d'arriver aux colonnes lances là-haut. On va monter. Zoom, 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 zoom. Ok. On continue. Mais non. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais quoi? Oh, le jeu. Oh, tu peux pas te permettre ça, le jeu. Oh, le jeu qui est pas fun. C'est open world, mais quand je le décide. Oh, c'est nul. Oh, ça m'énerve. La musique va trop bien avec cette ascension, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce qu'on a le droit de monter? Est-ce qu'on a le droit de grimper, de maroufler? Le jeu va dire non. Hein. Le jeu va pas vouloir. Hein. Le jeu veut pas. Étonnant. Tu sais, à la porte de pierre, j'ai reçu l'ordre de ne laisser passer personne. Soul. Putain, ils sont pas fun ici, les gens. Ok. Bon, c'est pas grave, on descend. Oh là, un petit Breath of the Wild. Excusez-moi. Un petit Breath of the Wild, là, bouclier. Un élécable. Mais qu'est-ce que ça fout, là, cette merde? Qu'est-ce que ça fout là cette merde? Pourquoi il y a un élécable? Mais pourquoi il y avait un élécable? On va choper le Electek. Ok, Electek c'est fait. Choper le deuxième. Ok. Ok. Pas mal pour le moment sur cette zone là. Et les câbles électriques, on s'en sort bien. Ok. Pas mal. Pas mal. Un Elecap, 3 Electek, moi je dis pas mal. Ah bah le Mouflair, il est là. On va garder le Torterra just in case. Et sinon pour Electrode, c'est. Je crois qu'il est plante électrique dans ce jeu là. On laissera le Torterra, c'est bien. À l'arène de la lune, la cour royale d'Electrode. Malgré tous les pièges que je vous ai tendus, je dois avouer que je t'espérais pas ici. Ouais, ouais, le grand Sino. Et si tu penses pouvoir me vaincre, moi, le roi du le protecteur du roi, tu peux toujours essayer. Tu vas tomber de haut, je te le garantis. Bah ça marche, vas-y, viens. Viens, petit Mouflair. Donc le Mouflair, on est d'accord que c'est poison ténèbres. Donc normalement... Oh, puis un Osferapti et un Rapion. Bon, on va virer le Mouflair déjà. Voilà. Ça, c'est fait. Le Rapion, c'est rapide. Choc venin, forcément, ça fait mal. D'accord. Monsieur Rapti, Tornade, forcément, ça fait mal, d'accord. Rapion, Choc Venin, ça refait mal, d'accord. Monsieur Rapti, Hypnose, ça somnole, c'est chiant. Ça serait bien que le Torterra, genre, il puisse faire un peu plus de dégâts. Éboulement sur Rapion? Pas con. Et éboulement sur Monsieur Rapti, c'est vrai. Bon, ça se passe plutôt bien. Éboulement. Voilà. Un combat rondement mené. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? On va faire le boss. Et ça sera la fin de ce petit live du coup. Mais ça veut pas dire que j'ai perdu pour autant. Qu'on soit clair. T'inquiète pas.
J'aurais pu gagner facilement si j'avais eu plus de temps pour entraîner les Pokémon. Ah bah moi j'ai pris le temps, hein. Je suis à 80 heures. T'inquiète pas que j'ai pris le temps. Ouais. Les boules pacifiantes, ça va pas être possible. Parce que malgré toute l'excellence qui me caractérise, j'ai oublié. Nul. Ça n'avancera pas à grand chose de perdre ton sang-froid. Alors Sébastien, Camille te donne du fil à retordre. Coucou Adamantin. Donc oui, donc en fait on doit avoir des boules pacifiantes pour le grand boss à battre. Et celle-là, elle veut pas nous les donner. Mais Adamantin, viens. Adam. J'ai entendu ce que tu viens de dire. Pourquoi révéler une information si importante à cette demi-portion? Tu es le chef du clan Diamant, tu n'as pas besoin du groupe Galaxy. T'as pourtant bien vu dans quel état est le roi, et ça te dérange pas de le voir lutter pour essayer de contrôler son trop-plein d'énergie? Non mais on va le contrôler nous, le trop-plein d'énergie. Je vois que l'expression de sa joie d'avoir été choisi. Hein. Passons tous par des moments de doute. C'est juste le grand Sino. Désolé mais j'y crois pas une seconde. On va régler le problème, je suis d'accord avec Adamantin. Du sel roche dure. Let's go, merci Adam. Après tout, je suis un gardien, je vais les préparer ces boules pacifiantes. Merci Camille. Merci. Fabriquer assez de boules pacifiantes pour calmer une armée d'électrodes. Donc bien évidemment, on y va. Ouais, on est prêt, ouais. TKT. Donc là, en gros, on va battre le quatrième boss du jeu. Et on va déjà avoir fini la zone. Comme quoi, hein, une heure hein, pour faire une zone. Hein. Et encore, j'ai farmé. Ça va assez vite. J'ai pas une musique un peu plus... Y'a pas un petit Gerudo Valley là qui traîne. Il est à l'envers là. Oui. Y'a pas un petit Gerudo là. Y'a même pas un petit Gerudo. Attention, je mets ça, je cherche une bonne musique. Non. Y'a pas un truc sympathique qu'on peut mettre? Ouais, c'est pas fou. Je trouve pas un truc sympa à mettre. Est-ce que je pourrais pas choper là-dedans? On peut choper un truc là-dedans. Hein. Vas-y, on va faire ça. On va mettre celle-là. Très bien. Aïe. Vite, cours, Sébastien, cours. Ah, il y a des bouboules. Putain, entre les bouboules et les Voltorb. Je fais quoi moi de ces boules tout seul aux fesses? Mais laisse pas le temps en fait. Est-ce qu'il faut lui laisser? En fait, il faut lui envoyer dessus, non? Ah. C'est bon. Ok. Ah
Aïe aïe aïe. C'est bon, on est passé. C'est un peu le son. Juste un peu le son du jeu. Parce que Spotify est pas assez fort. Aïe aïe aïe. Ah non, ça fait rien. Hein. Non, faut juste être patient. Aïe aïe. Ok. On va les faire un petit peu comme ça. Parce que là, l'électrode va commencer à faire mal. Ok. Aïe aïe. Et donc là il rentre en phase 2. Donc là il s'énerve. Fasse très attention. Oula. Oula. Oula, c'est bleu comme dans Avatar. Oula, boule, elle est dangereuse. C'est très désagréable comme bruit, je vous le dis. Ok. Oh, ça va être intéressant. Allez, vas-y. C'est bon. On va lui envoyer Typhlosion et on va le buter à coup de lance-flamme. Ça va être très bien. Voilà. Elle est beaucoup plus efficace. Aïe. Ok, donc là on fait juste attention. On est bon. On est bon. Doucement, doucement, doucement. Doucement mon gros, tout va bien. Tout va bien, on gère. Et c'est compliqué. Ah, 3 bouboules. Non bon voilà, il lance sa grosse attaque. On attend qu'il s'arrête. On se casse de là. Et on envoie le Typhlosion. Et c'est win. Voilà. C'est bon. Et recoucou toi. Badabadam, badabadam, badabadam. Et voilà. Et deux 4 zones. Oh, il paraît plus petit d'un coup. Et il offre une plaque Volt. Let's go. Roll, roll, roll.
De quoi qu'ai-je fait ? Comment ça, il a perdu la faveur divine ? Bah oui, il avait juste mal en fait, l'électrode. Et me voici à destination à l'heure dite. Qu'est-ce qui lui arrive à Chamal ? Il se trouve qu'en faisant équipe avec Sébastien, je me suis rappelé une chose. Dans lequel je vivais avant de perdre la mémoire. D'accord. Je me souviens d'un lieu où il était commun d'attraper des Pokémon et de vivre à leur côté en harmonie. Parmi eux, il y a ceux que l'on appelle les dresseurs. Ils s'entraînent ardemment avec le Pokémon et participent à de nombreux combats pour grandir et devenir plus forts ensemble. Grâce à cela, des liens se créent aussi bien avec les Pokémon qui se battent à leur côté qu'avec les dresseurs et les Pokémon qu'ils affrontent. Les êtres humains et les Pokémon peuvent joindre leurs forces à progresser vers l'avenir. Si nous continuons à croire que seuls les Pokémon sont forts et que nous continuons à les craindre ainsi, ce monde stagnera fatalement. C'est ça. Et toi, Sébastien, c'était comme ça aussi dans ton monde ? Bah ouais, c'était ça. Bien sûr que c'était ça. Ce ne sont pas juste les Pokémon qui doivent devenir forts, mais nous aussi. Plus nous nous améliorons, plus nos Pokémon pourront progresser. Oui. Merci Camille. D'accord. Bravo, bravo, mille fois bravo. Laissez votre dévotion sans bande vous transporter toujours plus haut. Quant à vous, Sébastien, votre destination n'est autre que le prochain Pokémon Monarch. Cette fois, il est réellement temps pour moi de rentrer à Rusticité. Qui sait, sous votre influence, les habitants de Issue réaliseront peut-être qu'ils ne doivent pas craindre les Pokémon. Oh bah c'est sûr. A bientôt, je l'espère. Salut mon gars. Je vais finir mes talents et entraîner davantage l'électrode pour qu'il brille de mille feux. Bah, let's go. Et bien voilà, donc ça c'est fini. Donc on a fini 4 zones. Ça c'est cool. Normalement c'est ça, hein. Ouais c'est ça. Alors moi je vais m'arrêter là. Parce que là je suis déjà à la bourre. On va s'arrêter là. Je vais vous abandonner au bivouac là-bas. Et la semaine prochaine on va farmer cette zone. Mais comme jaja. On n'a rien découvert. J'ai l'air de partir à HK Plains. Ça veut dire qu'il va falloir que je soigne tout ça. Que je vide tout ça. Mais tout va bien se passer. Moi, je vous dis en tout cas à la prochaine et je vais vous envoyer chez Charwina, bien évidemment. On va faire ça tranquillement. Charwina, Game & Watch. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures sur Legend Arceus. Et à demain sur The Witcher, sur ma chaîne. Et plein de choses encore qui arrivent sur ma chaîne. Promis, les lives seront un peu plus longs. Je vous le promets. Des bisous, bonne soirée et profitez bien, n'ayez pas trop chaud. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.